Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo colo. On est le 13 juin, les amis. Titit. Voyez, 15h20. Je viens de vous faire la vidéo du défi du mois de juin là que je me suis mis. Je vais vous faire une petite vidéo colo. Comme je disais dans la première vidéo, je suis tendue comme je viens de voir qu'il manquait un truc de la dernière fois. Donc voilà, Marion m'a dit t'as pas fait de vidéo de colo. Ben oui ma petite Marion, mais en ce moment c'est tendax sur pour moi là, mais en ce moment je touche plus terre. Je crois que il y a un moment. Ah. Alors attendez parce que j'attends un appel très important. Non, ça doit pas être ça, parce que c'est pas un numéro comme ça. J'attends un appel très 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 important cet après-midi. Là, assez savant sous peu, qui va me détendre. Voilà. Pourquoi donc j'ai sorti quatre couleurs, mais je sais pas si je ferai les quatre couleurs. Hein. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi je suis tendue comme une arbalète. Donc demain, je pars avec mon patron en salon pour commander ma collection été, donc tout mon plein air de l'été 2024. Et oui, non, je me trompe pas, été 2024, hein, les amis, je ne me trompe pas. Donc pour partir, bon, il faut que je prépare un sac de vêtements pour ces 2 jours. Il est, les vêtements sont prêts, le sac il est là, c'est encore pas regroupé, ma trousse de toilette n'est pas prête, bref, c'est l'apocalypse. Là, je vous dis. Je me commence à me faire du souci sur certaines choses dans ma vie parce que là, des départs de voyage comme ça, ça m'arrive de plus en plus. Où je pars, il n'y a rien qui est préparé correctement. Donc, mais bon, bref. On va dire que c'est pas grave. Voilà. Le plus grave est arrive. Donc, je dois partir demain avec un ordinateur du magasin. L'ordinateur portable du magasin. Sauf que le PC que bah, je prends, bah, on en a qu'un, hein, donc ce matin, donc hier déjà je voulais extraire mon fichier commande pour le mettre sur l'ordinateur portable et ça n'a pas voulu marcher. J'ai dit on doit pas avoir la même bonne manip à mon directeur, pardon. Et mon directeur me dit bon, on appellera le formateur demain matin, il aura une astuce ou il y arrivera, bref. Donc, on appelle le formateur ce matin. Et là, il me dit, bah non, il faut que tu appelles l'assistance. Eux, ils pourront t'aider. Et là, j'appelle l'assistance. Il devait être 10h quand on a commencé. Hein. L'assistance, il commence à bidouiller. Ça marche pas. Il me dit, mais c'est pas possible. Il y avait... Puis, au bout d'une bonne heure et demie, hein, il me dit, ah, mais t'as pas ça, ce logiciel-là, sur ce PC-là. Bah non, moi, je ne... Hein? Voilà. Donc il me dit bah il faut l'installer, mais ça met 3 plombes. Il dit mais moi je pars à midi et demi. Tu crois que ce sera fini d'installer? Bah kenenni, hein, kenenni, kenenni. Hein. Il dit bah tu sais, vous êtes pas, t'es pas la seule hein, à attendre le dernier moment. Hein. C'est pas faute qu'on vous a rappelé à plusieurs reprises. Il dit bah écoute, moi c'est mon premier salon, hein, donc hein, mea culpa. Prochain coup, je serai un peu plus organisée. Hein. Bref, bref. Donc il me dit, bon, attends, je vais essayer de te trouver un technicien qui peut te le faire. Très gentil. Il me trouve le technicien, il se connecte. Il dit, mais c'est là pour un petit moment. Hein. Je dis, bon, bah, moi, je remonte vers le magasin vers 5h, parce que j'ai rendez-vous au veto pour Schweppes, pour sa petite piqûre. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait la piqûre à Schweppes pour son arthrose. Je suis contente. C'est que c'est bon. Petite parenthèse. Donc, je lui dis, bah, écoute, à la rigueur, je peux venir le récupérer vers 5h au magasin. Sauf que là, j'ai une boule au ventre. Je vous raconte pas. Ça m'a déclenché.
Voilà. Voilà, je vais pas citer le truc, hein. Alors, sachant que moi, ça, c'est radical, hein, toujours quand je pars en voyage. J'ai déjà une petite. Voilà. Mais alors là, le fait de ne pas savoir si j'ai un ordinateur ou pas pour partir demain. Ben alors là, c'est apocalypse. Bref. Donc tout à l'heure, j'ai appelé. Donc je suis allée voir mon papa, quand même, voir si ça allait, tout allait très bien pour demain. J'ai appelé. Il me dit non, mais t'inquiète pas, il part en réunion, mais après, il s'occupe de ton PC. T'inquiète pas, à 5 heures, tu l'auras ton PC. Il t'appelle dès que c'est fini. Donc c'est pour ça que j'attends un coup de téléphone. Les amis, là, je l'attends. Il me dit, t'inquiète pas, tu vas partir avec ton PC. J'espère. S'il te plaît, j'espère. J'espère, j'espère, parce que là, franchement. Voilà. Donc là, j'ai fait la vidéo point de croix. Là, je suis en stress total. Tant qu'il m'aura pas appelé pour me dire c'est bon, le PC il marche, tu peux venir aller le récupérer au magasin. Je vais pas être bien. Je vous le dis, je vais pas être bien. Alors, je sais pas si le café me fait bien pas là, mais là je suis une boule de nerfs. Vous le voyez pas, mais sous le bureau, j'ai les jambes qui font comme ça. Flûte. Hein? Flûte, 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 flûte. Hein? Parce que là, franchement. Ça me stresse de pas savoir. Mon directeur, il est aussi baba, un peu babacouche sur certaines choses. Hein. Non, mais on a le temps, hein, purée. Faut pas stresser. Ouais, bah ouais, bah faut pas stresser. Bah oui, mais bon, là, moi, si je stresse. Je stresse à mort, là. Vous pouvez pas vous imaginer. Je connais pas du tout comment le concept ça marche, c'est tout nouveau. Bon, bah, moi, mes personnages ont le visage bien rosé, bien orangé, hein. Pas rosé, orangé. Hop là, ça c'est fait. Hein? Ah ouais, les crèmes hard, ça fait orangé, hein. Tu me diras, t'as pris de l'orange, hein, ma fille. Hein. Mais c'est pas regarder la solution. Donc ça me. Donc là, ouais, j'ai dit, je vais aller faire un peu de vidéo. Il est 3h30. Comme ça, après, ben, si j'arrive, j'irai faire mon sac. J'espère que demain dans l'avion, il va pas y avoir des turbulences, hein, parce que il pourrait pas tenir la main à mon patron, par contre. Hein. Non, mais quand c'est mon mari, je peux lui tenir la main, mais là, ça va pas le faire. Hein. Non, 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 je mange pas de ce pain-là. Non, 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 je mange pas de ce pain-là, les amis. Je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours eu mes postes à la sueur de mon front et pas à la sueur de mon corps. Hein. Donc non, non, non. Mais ça me stresse, vous pouvez pas vous imaginer. Un truc de malade. Ah, même ça, j'arrive pas à me. C'est dingue, hein. J'arrive pas à me sortir de la tête, le truc. C'est dingue, hein. Donc, je ne sais pas si je vous la sortirai cette semaine, hein, la semaine du 13 ou pas. Parce que là, vous avez déjà toutes les vidéos de programmer. J'avais anticipé des vidéos quand même. Donc, Marion m'a dit, t'as pas fait de colo cette semaine. Non, mais Marion, je suis comme toi. Hein? Je suis comme toi, je travaille beaucoup en ce moment. Donc, voilà.
il travaille beaucoup, donc du coup, il y a un moment où Karine, ben, elle peut pas, hein. J'essaye de faire au mieux, hein, pour vous faire les vidéos. Mais il y a un moment où, ouais, je... Voilà. Et puis là, vu ce qui m'arrive encore par là travers, il va falloir que... Je vais même pas parler d'organisation, n'est-ce pas? Hein? Ça sert à rien. Voilà. Parce que là, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ouais, bah toi, je te connais pas, gars. Je vais pas t'accepter sur Facebook, je te connais pas. Parce que alors, voilà, je ne veux plus parler d'organisation. Je cherche même plus le planning que je me suis fait. Je crois que je l'ai posé. Il est là. Il est là. Vous voyez le joli planning que je me suis fait. Hein? Parce que là maintenant, hein, il y a plein de trucs à faire. Alors, d'épée de mes beaux-parents, c'est fini. Il y a plein de trucs en plus. Voilà. Donc là, ça suffit. Je peux pas. Je sais pas. J'arrive pas. Je ne sais pas. Je sais pas comment je me suis démerdée dans mon organisation là, mais. Et en plus, on me met des nouveaux défis. N'est-ce pas, ma petite Alexandra? Je me suis dit, oh ben, je vais en parler avec Valérie. Elle va me dire, non, 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 fais pas le défi, Karine. Hein? Ben, que nenni, que nenni, que nenni. Oh, bah, ben, si, Karine, fais des filles. Oh, t'as bien rigolé, hein? Voilà. Je me suis dit, oh, Valérie va me dire non, 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 comme ça j'irai à Alexandra. Bah non, du coup, je peux pas trop. Valérie, après, elle me râle dessus et tout. J'ai déjà plein de choses de commencer. Que nenni! Bah si! Bravo! Vas-y! Non, mais lol! Lol de chez lol! Non, mais voilà. Je crois que je vais vous faire que le A. Parce que vu le temps déjà que je suis là et que j'ai encore tout le visage là à faire, je vais faire que la vidéo du A aujourd'hui. Donc voilà. Que j'aime bien relever les défis, les filles. Hein. Mais là, là, vous. Non. Non, j'aurais dû dire un défi et pas plusieurs défis. Voilà. J'aurais dû dire un défi. Ah, bzzz, ah bzzz, elle est où ma bzzz, 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 bzzz. Eh ben non, je sais pas. Si elle est là, je transpire comme un porc. Parce que là, je vous dis, je sais pas, hein, comment je vais gérer le truc. En plus, je reprends mes séances de dentiste. Le mardi après-midi à Grenoble. Donc là, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Hormis de demander un... des congés exceptionnels payés par mon patron, mais je pense pas qu'il va m'accepter des congés exceptionnels payés, hein. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux avoir des congés exceptionnels, mais l'entreprise me paye pour faire du loisir créatif, s'il vous plaît? Parce que les copines, elles ont été trop gentilles. Elles m'ont donné plein de défis à faire et je n'arrive pas à les faire, les défis. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher comme ça? Hein? Est-ce que vous croyez? Je ne pense pas. Je pense pas. Hein? Je pense pas qu'ils me disent si, si, c'est bon. Allez-y, Karine, vous êtes une gentille dame, donc du coup, je vous offre un mois de vacances. Voilà. Ben non, hein, je pense pas. Hein. Donc voilà. Parce que du coup, il va y avoir quelque chose avec Marjo. Marjo DP et ses achats en tout genre.
qui arrive aussi sur la chaîne. On est en train de peaufiner ensemble un petit peu, plus le défi donc de Valérie qui me demande de faire ma thé d'oreiller une fois par semaine en vidéo. La semaine dernière vous l'avez vu, vous n'y avez pas de vidéo, voilà. Voilà, plus maintenant le défi d'Alexandra, plus mon défi que je m'étais mis, hein, de mes points de croix. Donc là, je pense qu'une fois que le colo sera fini, et les filles, c'est pas moyen de me remettre à un défi. Il n'y a pas moyen. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas moyen. Colo, je ne vais pas en refaire tout de suite, tout de suite. Voilà. J'en ferai peut-être en off, mais pas en vidéo. Parce que vu le nombre de projets que je vais avoir attaqués, hein, y a un moment où... Et mon PC il est prêt. Mon PC il est prêt. Voilà. Voilà, voilà. Ouf, je suis soulagée. Vous pouvez pas vous imaginer. Voilà. Bon, du coup, il va falloir que je parte au magasin tout à l'heure avec le chat. Récupérer le PC. Voilà. Mais bon, le PC il est prêt. Donc je vais m'occuper d'abord du chat. Et après j'irai au magasin. Récupérer le PC. Donc, voilà, je pense que je vais être un peu plus. Donc oui, je crois que je vous parlais des défis. Voilà. Donc là, colo, les filles. Voilà. Je suis navrée, mais la chaîne va se transformer en défi. Hein, parce que là, vu ce qui m'arrive. Le 108, le 108, le 108. Bon, ben. Ah, 108. Ouais, parce que du coup là, vu les défis qui sont là, franchement, soit je craque complet et j'abandonne tout, voilà, soit faut que je trouve un truc, mais là je... En toute honnêteté, j'ai pas envie de craquer, donc j'ai envie de faire, mais va pas falloir bourrer mamie dans les orties, hein, parce que mamie, elle va pas y arriver, voilà. Donc je vais essayer de réfléchir à un truc qui soit logique pour la chaîne et pour vous et aussi pratique pour moi, mais je vais pas mettre la pression pour les faire, je vous le dis tout de suite, je vais arrêter de me mettre la pression parce que du coup ça va m'écœurer, comme pour les le DP, hein. Vous savez, passé un temps je faisais beaucoup de DP, je me suis mis la pression sur des DP et résultat des courses, bah je me suis écœurée du DP. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas que je me dégoûte non plus du point de croix, du loisir créatif. Faut que ça reste quand même un loisir et pas une... Rends-moi mon stylo, toi. Et un plaisir quand même, parce que là... hein. Là, je veux bien relever des défis, mais je peux plus me timer en me disant oh, faut faire ça, faut faire ça. Non, non, là, j'y arrive pas. Même ma case de la semaine en ce moment, comme je fais moins, largement moins de points de croix, j'arrive même pas à la réaliser, ma case de la semaine. Attendez, c'est 6 cases, hein. Donc, et j'en fais pas plus que ça. Hein. Donc, et on n'a pas attaqué le vélo le soir avec mon mari. Non plus. Donc. Donc là, il va falloir que je me pose, que je réfléchisse correctement comment je m'organise. Est-ce que je continue à vous faire des vidéos en avance sur quasiment une semaine d'avance? Ou je vous les fais, je les poste... Pff, j'en sais rien. Vous voyez, mon cerveau, il est en pleine ébullition. En pleine ébullition. Mais il n'empêche que j'ai mon ordinateur pour partir demain. Voilà.
C'était le mot de la fin. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais quand même aller préparer mon sac à dos parce que j'ai peur d'oublier quelque chose, sachant que si j'oublie quelque chose, ben on n'a pas de voiture là-haut. Donc je vais pas demander à mon patron, excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre un taxi pour aller à un endroit si j'oublie quelque chose. Voilà. Bon, ben voilà les amis, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets dans la suite donc les photos des copines. Ouais, je vous mets des photos des copines. J'étais en train de me dire, est-ce que les photos, je les ferai pas à la dernière vidéo? Comme ça, vous voyez tout le montage au fur et à mesure. Ça se pourrait. Je vais voir. Je vais réfléchir. Et allez, encore un truc à réfléchir, Karine. Bon, allez, moi je vous laisse. Il est 4h20. Je vais aller préparer mon sac pour aller au... partir demain. Après, je vais aller voir mon chat, me préparer pour aller au magasin et aller acheter mes deux trucs. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à bientôt, les amis. Bye bye. Thank you.